Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. C'est sous thème drapeau, c'est symbole unité, cérémonie officielle pour fêter 218 l'année création bicolore nationale là, déroulé mardi 18 mai 2021. Coupe présidentielle là, diverses autres personnalités participent dans la cérémonie pour marquer date ça dans le jardin palais national. Sabine Jean-Etienne avec Lydie Dieudonné pour détail. Unité, progrès et intérêt commun, c'est point fort. Célébration fête drapeau à l'université à Palais National, journée qui était mardi 18 mai. Jean-Robert Charles, président conférence recteur et président université haïtienne, a demandé pour l'État mettre plus moyens à disposition université à pour faciliter recherche et puis rendre secteur à plus productif. Il faut dès maintenant que l'État fasse des investissements substantiels dans ce secteur vital de la nation, afin de pouvoir combler nos retards séculaires. Ainsi, au nom de l'université, au nom de la jeunesse haïtienne et au nom de la Corbuyard, avec solennité, nous nous adressons à vous en ce jour phare du 18 mai 2021. Pour vous proposer deux actions majeures qui pourront contribuer à changer le paradigme pour les décennies à venir. Président Jovenel Moïse prône confiance en différents acteurs politiques yo, au lieu de méfiance qui gagne jeudi jeudi à la mi-temps classe politique. Là. D'après chef l'État, même esprit unité qui t'a mené bataille finale pour jeune indépendance, là, c'est lui qui t'a dû animer peuple haïtien jeudi. Faut nous faire un dépassement, les nous yon n'a pas la clotte, faut nous suspendre par l'autre coup de couteau dans le dos. C'est pour nous chita pour nous parler réel. Pour nous parler nos paroles sincères. Nos paroles qui pas mettent intérêt, pas nous. En premier, nos paroles qui mettent intérêt nation avant. Et c'est pour ça, de 1806 à aujourd'hui, nous ne pas suspendre faire brigandage. Nous ne pas suspendre par l'autre coup bas. Et puis, nous ne pas suspendre faire une paix l'autre. Parce que depuis ce côté méfiance installée, pas de confiance entre acteurs, pas de jambes qui ont développement, pas de jambes qui ont stabilité. Président Jovenel Moïse profite de la célébration 218 l'année création drapeau pour l'encourager, citoyens. Après la rue, la date 27 juin, pour aller participer dans le référendum constitutionnel là, pour capable de payer une nouvelle constitution qui puisse adapter à la réalité sociopolitique et économique moment. Dans l'occasion, fête drapeau, le président Jovenel Moïse a profité de lancer un autre appel à acteurs politiques pour prendre route dialogue dans l'idée pour retirer Haïti dans la crise toute calte. La faire face, journée 18 mai 2021, doit servir occasion pour réveiller conscience. Accent patriotique, chaque leader politique, d'après chef l'État, en suivant extrait dans le micro, Sabine Jean-Etienne avec Lydie Dieudonné. Appelons encore, le dernier appel à toute force vive pays. Pour le dernier si t'attendez pour nous jouer une solution à la crise qui a ravagé le pays. Nous toujours perdu ça. Nous avons crise depuis nous finissons tout les salines. Papa Nation, 17 octobre 1806. Je dis à faut que nous gardions l'autre manger pour nous prendre l'autre direction à pays. Parce que direction ça n'a pas, c'est lui-même n'a pas depuis 218 années. Ça veut dire direction, retire le corps, on ne mettait pas, retire, lâchez-moi l'autre, pas été à gauche, direction vivre à bas, direction assassinat politique, direction exil à emprisonner les monde. Sans raison, direction ça, pas dans quel côté vous menez nous. Vous menez nous côté nous aujourd'hui. Ça veut dire la misère. Vous menez nous dans l'ingrand. Vous menez nous dans mal cité. Direction ça, pas bon. Résoudre crise politique, sociale et économique, ça,
Il m'a dit pile dépassement, il m'a dit pile sagesse avec admiration. On nous colle les épaules, on nous met tête nous ensemble pour nous aider, pour nous capables de faire crise ça, tourner une opportunité. Une opportunité pour la génération qui venir. Une opportunité sans après, nous ne venir laisser à nous-mêmes, côté de la tombe noire, il a dit que c'est nous-mêmes aujourd'hui qui avons pris une grosse décision, qui avons changé. Cap là, ça veut dire que le pays a pris. Vague qui a venu, il va le plus fort que vague n'a pas aujourd'hui, si nous ne pouvons pas changer cap. C'est pour nous changer cap. Mais même comme capitaine Bato Amda dit nous ça, moi, well, vague, il va le plus fort si nous ne pas changer cap. Mais pas oublier, pour qu'on prenne ma gavelle, parce que Bato a, il y a tout le monde qui va jouer. Ça veut dire Frère Maxime, qui n'a l'autre secteur. N'oubliez pas le secteur politique, secteur intellectuel, économique et social pays, nous tous. Nous n'avons pas droit, comme mon équipage, en nous ensemble, nous virer, nous changer ta prix pour gros vent ta venir pour les vidéos, pour nous battre. Et puis, recteur, université, l'État, Fritz, des hommes de tout secteur dans le pays pour mettre tête ensemble. Une façon pour résoudre la crise politique et l'insécurité pays a fait face depuis quelques temps. D'après recteur, il a pas de route pas bois, c'est celle bon j'entends qui a permis d'Haïti. Tout n'est j'en l'étais longtemps. Recteur des hommes, de tout secteur pour ne pas quitter au game et yo, c'est pour mettre tout intérêt personnel sous côté pour capable sauver Haïti. En écoutez. Faut que tout le monde qui passe dans notre pays pendant 35 dernières années, quitte le pouvoir, quitte l'opposition, capable pour faire un miracle pour eux. Pour reconnaître. Erreur le fait. On soit continué fait, nous mettons un peu mauvais politique qui fait la pays, surtout politique néolibérale. Il faut que tout, pas admettre, je ne veux dire, priorité, c'est construire le pays. C'est mal chaque citoyen intérêt. Envie, capacité pour participer dans une conduite qui permet de reprendre chez nous l'espoir dans l'avenir du pays d'Haïti. Il faut que vous preniez conscience, le temps, pour râler bac sur le choix néolibéral. Casser tête tout le monde pour nous appliquer. Orientation pays à te bail tête li depuis plus passé 30 ans pour créer un autre pays, un autre état, une autre nation. Ça veut dire, un état jeune, avec représentants qui sortit dans une bonne décision majorité peuple. Un état qui nous service toute population. Une décentralisation tout le monde. Pour l'État, qu'a venu l'État tout pays. Il y a une forme agréable faite aussi nous, en faveur de vrais cultivateurs qui produisent manger pour le pays. Il y a un secteur agricole solide comme première base pour chita une économie solide. Il y a une industrie qui m'a connu avec ressources toute qualité pays. Le système éducatif, côté tout si nous à l'école, pour apprendre un pays, protéger l'environnement, valoriser culture, ramasser toute connaissance utile. Le système social, côté droit manger, droit dormir, droit la santé, travail, la justice assurée comme ça doit pour tout citoyen. Un système de justice, côté juge, sorti dans Toyo, assemblée collectivité territoriale. De quoi pour la justice, pas dépendant avec intérêt population. Un pays, côté tout petit gagne, même droit, même devoir, même opportunité.
ce pays ça nous te reconstruit. C'est l'état ça nous te voulons mettre campé. C'est pour ça nous t'avons voté dans la loi pays dans la date 29 mars 1987. C'est nous qui picoute là. Si nous voulons tout pays, dans tout concol, mettez ensemble pour faire un coucou rouge contre kidnappé, contre bandit, à toute machine insécurité. Quitte si vous êtes haïtien, quitte vous êtes étranger, quitte vous êtes même cap bailab, quitte vous êtes même cap onlod. Si ce n'est pas ça, n'a pas perdu pays, n'a pas quitté le pour bandit. Peuple qui n'a mal cité, pas fait différence entre bandit et citoyen honnête. N'a pas continué à perdre le droit de l'homme. N'a pas toujours obligé à chiter une décision blanche. Chaque fois nous besoin, mettez au soir retirer un gouvernement, au soir prenez pas de décision importante pour la vie. En vérité, dans le café de l'hiver aujourd'hui, c'est soit nous gagnons ensemble, c'est soit nous perdons ensemble. L'autre point dans le journal, le comité consultatif indépendant qui travaille sous projet nouveau constitution a présenté deuxième draft avant projet nouveau constitution mercredi 19 mai. Deuxième document avant projet constitution sorti après analyse et examen, recommandation, organisation à caractère dans la société civile là, sous premier document d'après le président comité M. Boniface Alexandre. Littéral micro, Lionel Jean-Louis et Danius Théodore en côté. Nous préparer une deuxième version pour nous montrer bien ces constitutions peuple là qui a écrit. Ce n'est pas nous-mêmes. Nous-mêmes n'avons pas écrit pour le peuple là. Mais c'est le peuple là qui a fait constitution. Mais j'en voulais pour gouverner. C'est ça, ça voulait dire. C'est le peuple là qui a dit, mais j'en voulais pour gouverner. Ce n'est pas nous qui a fait accepter tel genre de gouvernement. Et bien, à partir de l'observation du fait, nous rassemblons, nous réunis, nous-mêmes membres de commission, hein? Nous étudions toute observation, bien accepté, bien nous rejeter, nous écarter. Et bien, c'est à partir des objections, ça y est, nous paraît en deuxième version maintenant. Et là encore, c'est pour qu'au dernier. S'il le faut, nous allons présenter le rapport encore. Parce que nous ne voulons pas rien faire qui ne soit pas la volonté du peuple haïtien. Constitution, c'est pour le peuple haïtien. C'est ça que nous voulons pour faire. Nous ne voulons pas les clauses léonines. Ça veut dire constitution qu'on écrit, mais l'écrit pour une partie dans le peuple là, une partie écartée. Non. Mais ça arrive sur le côté nullité. Barreau, l'ordre, avocat, Port-au-Prince, organisé en messe mercredi 19 mai 2021 à l'occasion fête Saint-Yves qui s'est patron avocat. Bâtonnier, l'ordre, avocat capital là, Marie-Suzy Le Gros, souligné diverses qualités. Yves et Laurie de Kermatin, te cultivé dans la ville qui permettent lycée Saint qui représentait avocat. Jocelyn Pierre avec Michel Joseph, t'es sous place, plus détails avec eux. C'est en présence plusieurs représentants pouvoir judiciaire, célébration eucharistique l'a déroulé mercredi 19 mai 2021. C'était occasion pour bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince, Marie-Suzy Le Gros, montrer l'importance profession avocat à gagner dans le pays. La vie de Saint-Yves formait un critique, c'était un savant, un élève qui embrassait outre les fonctions ecclésiastiques, mais aussi celles de la magistrature et de l'avocature. Il et l'ordre de Clermont-Ferrand assumaient ses fonctions de magistrat avec un esprit de justice, mais également et surtout de conciliation. Son sens de l'équité lui interdisait de privilégier le riche sur le pauvre.
comme avocat, ses talents d'orateur et sa capacité de captiver son auditoire attirèrent toujours l'attention. La réputation de Saint-Yves avant de traverser les temps. Avocat du pauvre, du fait et du persécuté, il attaquait sans hésiter les hommes qui, en ouvrant sa vérité, excitaient son cours. Il et l'oreille de Pierre-Martin avec un horreur, la violence et l'injustice. Saint-Yves, de vérité, Saint-Excellent, est le patron de toutes les professions de droit, et surtout des avocats, à qui veut consacrer la vie professionnelle, sa vie professionnelle au service de droit, il, Héroïne de Pierre-Martin, a proposé trois valeurs fondamentales. L'intégrité, qui forge l'honorabilité de tout professionnel, l'esprit de paix, qui est le fruit de la probité, la charité, l'expression de solidarité envers ses semblables. C'est justement pour célébrer la vie de ce temps tridimensionnel que tous les ans, à pareille époque, nous nous réunissons pour entendre un prêtre de notre Église romaine prononcer l'homélie de Saint Constant. Célébrant principal messe là, Monseigneur Pierre-André Dumas mettait accent sur le rôle avocat qu'il doit jouer pour le monde respecter. Les avocats doivent travailler pour faire honneur à leur profession, à restaurer l'état de droit et à porter le pays à vivre dans un état qui respecte la loi. Les avocats devraient être les promoteurs, les défenseurs du droit et de la démocratie, ce qui est contraire à un pouvoir cacocratique. Les Italiens nous rappellent que la cacocratie, le pouvoir souvent illégal et parfois les médiocres et les gens qui ne comprennent pas le sens des choses, la cacocratie nous conduit à la confusion, au chaos et surtout nous conduit à l'anarchie. Les avocats doivent justement porter la loi à la connaissance de chaque haïtien, de chaque haïtienne. Ils doivent éduquer le peuple à l'égard de loi. Ils doivent enseigner à tous le sens, la signification, la valeur ultime et la dignité d'une société basée et fondée sur la loi. Yves et Laurie de Kermatin, fête dans l'année 1253 dans le pays Angleterre, et Lita mourit dans l'année 1303 dans le même pays ça. C'est dans la date 19 mai 1347, Pape Jean-Paul d'Etapral canonisé Yves Hilary de Kermatin pour venir saint l'Église catholique. La première direction commune Kafou, côté conseil municipal commune Silla, inauguré lundi 17 mai 2021, centre culturel municipal Emmanuel Charlemagne. Dans l'occasion, magistrat Kafoua, Jules-Édouard Pierre, présenté nouvel ambassadeur culturel Kafoua, Pierre Maniga Junior. Il rencontre Rachel Saint-Fort et Michel Joseph. On suit. Thomas, il est pour te consoler. Haïti chérie, il est pour te suivre. Haïti maman, il est pour ça changer. L'inauguration du centre culturel municipal Emmanuel Charlemagne dans la commune Kafou déroulée en présence de représentants divers secteurs dans la commune. Initiateur expliqué, centre culturel Emmanuel Charlemagne là, c'est un lieu échange, débat, divertissement, acquisition et transmission savoir. Dans l'occasion, le directeur général de NLA, Emmanuel Jacquet, renouvelé engagement le bon côté mairie Kafou pour faciliter le centre culturel là bien fonctionner. Je leur demande de s'approprier ce local, de s'approprier cet espace, de le respecter, en parlant aussi d'encourager les jeunes à fréquenter l'espace. Et avec la bibliothèque municipale que la DNL va gérer, nous allons mettre en place les livres qu'il faut à cette jeunesse, tous les livres nécessaires à cette jeunesse. En octobre prochain, nous avons une première cargaison de livres, de 400 000 livres grâce à un support de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce don de livres va nous permettre de distribuer les livres non seulement à travers la bibliothèque municipale de Carrefour, mais aussi à travers d'autres bibliothèques municipales, en vue de doter ces espaces d'une quantité adéquate de livres et des livres de qualité pour que les jeunes puissent se former
confortablement. Président commission communale là, Jude Dorpierre, mais c'est toute institution, personnalité qui aide à réaliser projet ça et puis profiter présenter par la population nouvel ambassadeur culturel Kafoua, Pierre Maniga Junior. Directeur d'école Kafoua, entrepreneur Kafoua, universitaire Kafoua, lecteur Kafoua, nous mettons nous en culturel là, et l'agent taxe nous. Nous proposer un modèle d'organisation et de gouvernance ici là. Même j'ai avec Zamim, je vais le dire ancien élève, comme ça nous avons un grand monde, DG Jacquet, qui a pris en charge au parti dans la bibliothèque là. Mais c'est deux mounes, trois mounes qui ont pris en charge. Nous avons plusieurs mounes qui vous travaillent là. Directeur l'école, je nous propose, pour cette administration, ça nous est le DSP, délégation de services publics, mon partenariat public-privé, qui là, tout. Pour les décentres fonctionner. Nous parlons pour un arrêté municipal qui parle créer une redevance sous spectacle, redevance culturelle sur spectacle public. Mais qui vient pour faire programme dans le club, dans la rue, il y a bien pour payer l'IA au COP. Et comme ça, il y a plein pour reverser sous compte ce culturel là pour effectivement capable de pérenniser parce que l'important. C'est un honneur pour moi, après-midi, pour mes Kafou. Offrir à la communauté nationale, à la communauté kafouaise, au monde culturel haïtien, cette figure comme nouvel ambassadeur culturel de Kafoua. Il n'y a en fait pas plus grand honneur que d'être associé à l'inauguration du centre culturel dédié à Emmanuel Mano Charlemagne. Et dont des salles sont baptisés Roland Piram d'Orfeuille, Paulette Poujol Auriol, de donner ses dons. Je remercie Jules-Édouard Pierre et ses accesseurs d'avoir fait le choix de mon humble personne pour occuper ce poste de prestige, de représentation honorifique. Sans doute, pour des raisons objectives que subjectives, lesquelles de toute façon m'ordonnent impérativement de continuer à retourner l'ascenseur à ma petite patrie qui m'a procuré tant de joie et de bonheur. D'après Jude-Édouard Pierre, projet ça démarre le 28 janvier 2020. Élève communal promet pour bien utiliser cette culture Mano Charlemagne là pour le cas d'Iré. L'autre information, dans le journal, la commission qui a cherché solution à la crise PIA, CRSHC, c'est non une nouvelle organisation dans la société civile là, qui paraît peut-être le mercredi 19 mai 2021. Objectif organisation ça, c'est charger revendication population hein, et puis plaider droit monde qui a subi toute forme de violence à insécurité dans le pays là, d'après représentant collectif Atis Engagé, Magali Komodeni, en suivant extra micro Élisée Akolo et Michel Joseph. Que nous-mêmes, chaque membre de la commission de ça, qui sorti dans différents secteurs qui ont un peu organisation des idées, nous devons présents à l'appel. Nous devons présents pour nous mettre ensemble pour situer la commission de ça, qui est la commission qui a cherché une solution haïtienne la crise de l'île. T'as qu'on marque avec Jennifer Edouard, te dire, nous parlons à Ekali, nous parlons de Moula, nous parlons qui processus qui vivait Mette Moula. Nous parlons de la commission de la société civile. Nous venons une commission qui sortit une seule organisation de société civile là, de société civile organisée et engagée. La chercher, joindre une solution haïtienne dans la crise pays à traverser. Mais la recherche est entre
acteurs qui désignent nous, mais avec un paquet de droits d'acteurs que nous avons en situation avec nous, qui ne pas désignés et qui abrogent un ensemble d'acteurs politiques pour arriver à un accord. On va le faire point santé dans le téléjournal là, ministère santé publique à population qui informe population 1 qu'un 78 nouveaux cas COVID-19 qui confirmé à deux mounes en plus qui mourit dans date 15 mai 2021. Dans notre MSPP météo dans date 16 mai 2021, li fait qu'on a gagné au total 13 598 cas confirmés, 1966 mounes qui passaient l'hôpital, 276 mounes qui mourit et puis 12 463 autres mounes qui traitaient. Ministère Santé publique et population continue à encourager la population pour respecter le principe l'hygiène pour éviter de traper COVID-19 là. Toujours mettre masque de pour rencontrer l'autre monde, toujours laver les mains, éviter de bailler en main, éviter beau et puis bailler à collade. Toujours songer, bailler tout le monde, trois pas distance. Dans la même logique, ça, président de la République, là, Jovenel Moïse, a profité d'annoncer avant longtemps vaccin contre pandémie coronavirus là, pour être disponible sur le marché en Haïti. Pendant temps, ça, chef de l'État m'a dit tout le monde respecter geste barrière. Ça veut dire pour tout le monde porter masque et puis bah, une autre distance qui est recommandée. En suivant extérieur, amico, Sabine Jean-Étienne avec Lydier Jodoni. Mes amis, on a vu ça toujours là. Il fait un pile de dégâts dans le monde. Plus passer 3 millions de monde déjà perdu la ville. La caillou, Corona, il retourne là en force. Sur une population de 11 000 haïtiens, c'est seulement 14 000 personnes qui ont le coronavirus. Seulement 271 personnes qui ont perdu la vie. Pendant deux dernières semaines, ça y est, pendant la gravité de l'eau, nous avons enregistré plus de 70 personnes chaque jour qui testaient positif dans l'affaire coronavirus. Tendance là à augmenter chaque jour de plus. Si vous recevez, autorisez pour demander tout acteur qui est dans le système santé pour être en état vide, ça veut dire pour être vigilant. Nous devons tout de suite recommencer à mobiliser contre le coronavirus. Papa, nous sommes que pour avoir un vaccin disponible dans le pays contre le coronavirus. Mais pendant le vaccin, pourquoi nous? Donc, respectez les gestes barrières, mettez des masques. Respectez la distanciation sociale. Lavez même. On nous fait un petit peu encore sur la goulade. Comme dit nous-mêmes, moi-même, nous devons commencer à parler de la goulade, parce que nous devons songer à la goulade. Ça veut dire, on nous fait un petit campé sur ça. Mon d'autre là, c'est toujours le même malade là. Moi, je ne suis pas pour le coronavirus, moi, je ne suis pas pour coronavirus. Protéger tout, pendant qu'on protège tout le monde en privé, tout le monde aimé, famille, voisins, amis, collègues de travail, etc. L'autre information, dans le journal, la responsable académique créole haïtien, lancé lundi 17 mai 2021, recrutement pour membres académiques. Une initiative qui permet à AKA continuer à faire travailler selon académicien Roger Dadorce Dorsil qui a participé dans l'émission Mise au point sous TNH. En suivant extrait. Moi, c'est un recrutement, ça, c'est pour. Nous avons un académicien qui commence en âge. Okay. Et puis, nous avons un académicien. En âge, là, qui est maximum. Nous avons un qui a 103 ans. Ça veut dire que nous avons un qui a 200 ans d'activité académique. Et loi académique, il faut gagner 33 pour plus petit et 55 pour plus plus. Et gagner qui est mon rito. Okay. C'est ça que nous venons lancer. Et recrutement, nous dit académie ouvre des boîtes. L'aptant, nous, qui peut venir inscrire. Qui condition? Bon, critère, c'est forme haïtien, fille comme garçon, faut l'idée 40 ans pour plus petit. Et puis, il faut que c'est un monde qui travaille en promotion là-dedans. Et puis, il faut que l'on ait disponibilité tout pour les activités, pour les affaires activités, pour capable participer. Qui dossier vous doit présenter comme ça? On a dû présenter un dossier qui complet. Qui est là, bien, pour l'économie,
la gagne attestation. Attestation la banque, l'argent de la banque. Non, non, c'est pas attestation, non, copie diplôme. Ok. La gagne certificat, attestation, si vous avez fait étude là ou bien si vous n'avez pas fait. Okay. Lettre motivation. Et puis lettre, c'est une institution qui l'État reconnaît, qui vous voulez ou venir pour ces candidats. Okay. Vous comprenez ça, M. Dola? Okay. Pour tout, c'est tout ça, vous devez me dossier. Nous avons un bon petit frère pour payer pour ça? Non. Donc, là, vous venez déposer le dossier, on a mis au ACA ou bien il est capable de faire par Internet. Okay. Et si vous avez besoin de plus d'informations sur qui j'ai envoyé mon académie, il doit passer dans, il doit monter sur Internet là, dans www.academiecreole.net. Ou bien, la brûlée, mon téléphone 33 33 08 15 33 33 08 16. C'est pas l'oreille calée, l'homme n'aille, donc nous apprenons. Laissez maintenant, la standardisation qui paraît plus difficile dans le niveau grammatical, là. L'homme prend des formes grammaticales, nous allons joindre dans le nom, par exemple, Hakim, avec moi, Kaye, pour la Kaye. Et même dit la Kaili. Donc ça, les droits plus difficiles de faire niveau apprentissage là. Mais pour nous parler de langue standard, c'est toujours selon un accord. De, pas de standardisation sans accord. C'est une convention. Académie est là pour encourager et pour chercher le monde qui a fait travailler ça. Grammairien, linguiste, sociologue et didacticien pour nous faire travailler ça ensemble. Nous avons apporté précision quelques dans l'académicien qui t'a répondu à une question Ruben Dumont dans l'émission Mise au point sous TNH sur le processus recrutement AKA lancé lundi 17 mai 2021. L'autre information dans le journal là, responsable association Cratério lancé mercredi 19 mai, un atelier 3 jours dans le cadre projet qui porte nom technique constructive locale améliorée TCLA+. Projet ça veut renforcer capacité à terre filière construction. Hein, créer moyens qui favoriser le développement qui répond à tant de sociétés haïtiennes. Pour ne citer ça seulement, c'est dans la ville Port-au-Prince, département l'Ouest, et dans la ville Okaï, département Sid, il a lancé une série de projets. Suivez Mosso dans la déclaration Christiane Bellinga Nko, qui se représente en cratère dans le micro TNH. L'objectif de l'atelier, c'est de partager avec les partenaires du projet, ACAP, Acrocom, Ateco et Entrepreneurs du Monde, plus Cratère, la mise en œuvre de notre projet, qui est un projet de renforcement de la filière de construction en TECLA, et donc de pouvoir agréger avec les parties prenantes et les participants de l'atelier la réflexion sur ce que c'est construire en milieu urbain aujourd'hui de façon sûre et comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour animer un réseau de constructeurs, un réseau d'artisans formés dans les constructions en TECLA, mais également un réseau de producteurs de matériaux économiquement disponibles dans un système, on va dire, éco-responsable. Donc, comme nous sommes dans la phase de lancement du projet, le but, c'est de travailler avec les partenaires haïtiens, mais également avec des organisations haïtiennes ou internationales qui œuvrent dans le secteur de la construction et qui sont en capacité de se mettre en synergie avec nous pour permettre justement aux uns et aux autres de pouvoir travailler de façon plus intelligente en faisant des économies de moyens pour mieux former les techniciens dans la construction, mais également pour arriver à produire un habitat de qualité, résilient, accessible au grand public en milieu urbain. Les TECLA sont une dynamique née en Haïti il y a une dizaine d'années, dans l'Haïti de l'après-tremblement de terre. Et donc nous travaillons depuis une dizaine d'années justement à renforcer les compétences des artisans qui travaillent avec cette technique de construction, les techniques TECLA qui sont, on va dire, une approche. Donc l'objectif donc c'est de continuer à former, l'objectif c'est de continuer à créer un réseau d'artisans et l'objectif c'est également d'initier un marché qui est un marché de construction pour permettre aux Haïtiens de classe faible et de classe moyenne de pouvoir avoir accès à un logement qui est un logement accessible, de qualité et résilient.
Information nous a annoncé dans le grand titre journal de l'Université d'État d'Haïti dans l'occasion journée nationale enseignant lancé lundi 17 mai forum permanent il a sous grand défi nation à connaître journée jeudi. Pour première édition qui fait sous crise sociale et politique haïtienne, nan, la NEC Urbon, Alrich Nicolas et Myrta Gilbert, ses principaux intervenants. Contre dit Rachel Saint-Fort et Maxo Joseph. On suit. Lancement forum permanent Université l'État dans l'occasion journée nationale ancien yo té occasion pour recteur UH là remercier professeur yo pour travail à faire dans société ya comme guide lumière et puis forger avenir. Dans le discours prononcé à l'occasion de l'investiture de l'actuel conseil exécutif, j'avais évoqué les difficultés quotidiennes auxquelles font face la plupart des anciens de notre université. Depuis quelques années, un pas a été franchi dans la définition d'une bonne intérimaire de salaire. Le conseil exécutif se propose d'approfondir cette démarche en soumettant à l'attention du conseil de l'université le moment venu et en fonction des possibilités financières, des plans de carrière pour l'ensemble des personnels de l'université, dont le plan de carrière de l'enseignant de l'UH. Comme on sait, la disponibilité de ce plan de carrière est au fondement de la définition d'une grille de salaire définitive. Fritz Desormes explique forme ça, c'est un moyen pour aider la population à comprendre plus bien le problème société à connaître et puis aider à jouer une solution. Il s'agit d'une activité qui, comme son nom l'indique, est appelée à durer, à se manifester sur une périodicité qui sera décidée ultérieurement. Elle favorisera, à partir de l'éclairage provenant de personnalité de notre université, d'universités sœurs et du niveau professionnel, qu'on montre leur expertise ou leur bonne expérience, le développement d'échanges sur les problématiques d'intérêt pour le présent et pour l'avenir de notre pays. Professeur Lainec Urbon, l'un des principaux intervenants première édition, a expliqué origine et conséquence de la crise. Là. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une rupture avec une forme de vie que nous avons connue à l'université? Une forme de vie qui s'exprime ici. D'abord, il y avait des anciens qui ne disposaient pas d'état civil, d'acte de naissance, par exemple, ou bien qui n'arrivaient jamais à passer par l'école, qui avait une langue qui n'était reconnue par le pays officiel. Ensuite, il y avait un système juridique qui n'était pas le système juridique de la majorité de la population. Il n'y avait pas le système de santé non plus dans les campagnes. Pas d'eau, pas d'électricité. On les appelait tout simplement ce qu'on appelait les sans, sans eau, sans électricité. Donc, cette forme de vie va être mise en question en 86. Et pourtant, de 86 à nos jours, justement, ce ne sera pas possible de répondre à la nouvelle demande qui est faite par l'ensemble de la population. Effondrement du lien social, effondrement des institutions, et donc c'est une situation qui ne peut être surmontée qu'à partir du moment où il existe au moins une institution qui, dans la société, est chargée, on vient de le dire tout à l'heure, est chargée d'être guide de lumière, eh bien, c'est l'université. Là où l'université existe, et elle a existé toujours, pour cela, c'est pour cela que l'université a été créée et porte son nom, Universitas, doit pouvoir entrer dans des questions fondamentales qui ne la concernent pas elle-même uniquement comme université pour ses propres membres, mais qui concernent le monde dans lequel elle vit. Eh bien, l'université doit être capable de faire ouvrir le monde à tous. Recteur UH La Fritz Desormes fait qu'on est un comité pilotage capacité organisation opérationnelle forum permanent Université de l'État qui implique toute entité UEH La. Première édition forum n'a pas cherché sous crise sociale et politique haïtienne. Voilà,
Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.